Blade of Steel. Donc, tout est good, on y va dans 3, 2, 1. Et go! Nice! Contre Minnesota. Fait que oui, le but d'un speedrun de Blade of Steel, c'est de faire en sorte que le timer s'écoule le plus vite possible. Comment qu'on y parvient? Puis d'avancer dans le tournoi surtout, tu sais, parce que c'est pas juste faire un match nul. Et anyway, le match nul, ça amène le shout-out. Bon, et voilà. Donc, étape 1 faite. Ah merde, ça a pas marché. Ah merde. Nice. Ça je la rends invalide, il y a des oh. Donc c'est ça. Il faut que je fasse ça, faut que je marque 3 buts puis que je me fasse pas scorer pendant 9 périodes de temps. Mais la particularité avant qu'on se rende compte que de transférer tout le monde vers le milieu de la glace, ça nous faisait gagner du temps. On restait de même, mais là, malheureusement, faut rester attentif. Parce qu'à peu près à 30 secondes, je vais aller rejoindre le milieu de la glace. Ça va. Le fait qu'on va être au milieu de la glace, ce que ça va faire, c'est que le gars qui est en forecheck, c'est-à-dire celui qui s'amuse à rentrer dans Carey Price, il va revenir dans le centre, donc il va avoir moins l'air patinant entre les périodes. Le trigger qui dit de faire afficher le score, dans le fond, c'est est-ce que tout le monde est dans sa zone hors de l'écran et si la foule a arrêté de crier. Donc avant, quand on en restait dans l'air du net, le temps que ça prenait aux joueurs adverses de se rendre dans sa zone, c'était trop long. La foule a arrêté de crier, puis après ça, il arrivait. Là, il était déjà dans sa zone quand la foule arrête de crier, donc le trigger était déclenché pour faire afficher le tableau. Donc, ce qui fait gagner à peu près une seconde par match. Voyons que... Vas-y, j'avais tout fait sauf bien me placer! Sniker! Nice! Ok, ça je vais le prendre. Bon, ok, parfait. Fait que c'est ça. Fait qu'en gros, c'est ça qu'on a découvert. C'est ça que My Name is 9000 a découvert. 420. Quand se cachant dans la du. Quand faisant ce scrolling là, on gagnait du temps. Quand ça a été découvert, ça a pas pris de temps. Cardinality était à reprendre le World Record.
29 minutes 27 secondes et 100 centièmes. Et 1 dixième de seconde. C'est quand je calcule les. Étant donné que le speedrun, c'est ça, ben j'ai décidé qu'on incluait les millisecondes. Au début, je l'avais pas fait parce que je pensais pas qu'il allait y avoir d'autres personnes qui allaient penser à faire un speedrun de Blade of Steel. Finalement, on est 4. Là, les leaderboards montent 3, mais il me semble que tous les joueurs chinois ont disparu. Je m'en souviens plus du nom du gars, là. Il était assez compliqué, le chinois qui joue à Blade of Steel. Mais Rodnand, le gars qui a à peu près tous les records du monde à. Rodnand, le gars qui a tous les records du monde à Kirby's Adventure. Lui aussi, tous ses temps, ils ont disparu. Parce que je sais que son temps Any Person Powerless à Kirby's Adventure, il a disparu. C'est lui qui avait le world record, c'est ça qui avait fait Summoner. Quand t'écoutes comme faut, t'entends le son coupé après qui? Après le oh qui joue au complet. Hey, Super Mega Dave! Comment il va? Ah man! Qu'est-ce qui s'est passé? Attends, je vais avoir en masse de l'air de lire ton message quand je vais avoir ici mon setup là. Bon, ok, c'est good. Ouais. En effet. La défensive du Canadien. Surtout la défensive qui rush, je me dis. C'est de ce que j'entends dire à la radio, parce que malheureusement, vu que je travaille le soir, je peux pas regarder les matchs. Puis j'en pogne juste des bras à la radio pendant que je travaille, malheureusement. En fait, le match présentement me fait penser au match entre Tampa Bay et Philadelphie une couple d'années où est-ce que. Hey, Master Fred! Comment il va? Le match entre Tampa Bay et Philadelphie, dans le temps que c'était Guy Boucher, le coach de Tampa Bay, puis que le coach de Philadelphie il avait dit à ses joueurs de faire zéro forecheck. Non, c'est vrai, les joueurs de Guy Boucher faisaient zéro forecheck. C'était le joueur qui était le premier joueur, le premier 1 dans le fond, il restait à la ligne bleue puis il attendait que les joueurs arrivaient. Puis les gars de Philadelphie, c'était tout. Le porteur de la rondelle de Philadelphie, c'était caché en arrière du goaler. Fait que c'était rien passé pendant une minute et demie. Jusqu'à temps que les refs fassent comme ok, on arrête ça, c'est ridicule. Ouais, ça va très bien, ça va très bien. Merci d'être là, les boys. Dame Jasin. Ah, c'est vraiment difficile. Qui s'appelle faire un speedrun de Blade of Steel. Ah, j'avais pogné ça à Sport 30 le matin, mais c'était vraiment réussi. T'as comme, what? C'était vraiment drôle. Ça aurait dû faire partie des VHS de jeux cocasses de la Ligue nationale de hockey. Ok, les VHS n'existaient plus dans ce temps-là, là, mais pas grave. Si on n'en parle pas, personne ne le sait. Bon, reste 30 secondes au match.
Le bout le plus intéressant de la période. Ah oui, ça, ça aussi, ça avait été épique. Montréal-Vancouver. Est-ce que ça a l'air louche à la caméra quand je smash un bouton? Ah non, c'était pas ça, fallait qu'il arrive. Ok, cool. Ah. Nice, ok. Ok, pas de trop d'arbres. Ouais. Yeah. Ouais. Anyway, je suis sûr que ton cours est plus intéressant que ce speedrun-là. En tout cas, c'est ça que Drake dit, hein. Ses cours sont plus intéressants qu'un speedrun de Blade of Steel. Pis yo, merci pour la hausse également. Ce sera pas long. À un moment donné, il va être 35. Il va rester 30 secondes à la période, pis il va se passer de quoi, hein? Ah! 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 Donc, qu'est-ce qui me ferait, c'est le ah! Top! Ah! Pff. Le son qui. On entend vraiment le son coupé à la fin du ah! Ah, merde, il m'a rentré dedans. C'est la stat risquée. C'est le gars de tirer, prendre la rebond, se cachant dans le jardinet.
Ah, faut que tu retournes au Power Rangers encore. Le gars, t'as repris le World Ranger. T'as reperdu le World Ranger. Le WR encore. Je pense que je m'en dis Dub R, c'est pas mal plus facile. À dire que World Record. World Record. Ah non, facile à dire. Pourquoi j'ai de la misère? J'ai de la misère à dire un mot, il y a des claques qui vont se perdre. Ah. Ah, puis merci aussi pour le good luck. Ah. Ah, cool. Ah, j'aime ça quand le AI bug de même. Ah, c'est vrai, j'attends. J'ai des affaires à changer sur le bot. C'est pas pire, je peux changer des affaires sur le bot en même temps. C'est comme j'ai mon timer qui s'affiche, puis je regarde. Puis j'entends les ah dans l'oreille, ça veut dire que tout va bien. C'est cassé. Méga, plus de besoin. La commande. Méga également. Hey. Je commencerai pas à parler du land ATS tout de suite. Même si, d'après moi, je vais avoir au moins une run d'accepter. Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, la semaine prochaine, les soumissions pour le prochain No Reset ouvrent. Ça va être le No Reset au land ATS 2018. Hey, né au Québec. Comment ça va? Bienvenue au meilleur speedrun ever du monde entier. Excellent, ça va.
C'est nice que ça aille bien. Damn, je l'ai marqué vite. 19-27. Aïe, oui. Ça va être de l'ennui tout pendant un méchant bout. Nice. Ok, cool. Je la trouve drôle son manque de poursuite, mais c'est pas grave, mal propre. Fait que c'est ça. Fait que là, ça fait 7 périodes de fête, il en reste encore 2. Après ça, on va savoir à quel point je suis proche du world record. Là, y a-t-il du monde dans la foule qui se tienne un peu au courant des games, des Video Games Awards? Moi, pas pantoute. Tu sais que Danny, dans ma gang de niveau suivant, il a parti un sondage pour ça. Si vous voulez le lien, je vais vous le transmettre après le match. Parce que ça, je sais pas combien de temps ça va prendre, puis je veux vraiment pas prendre de chance de... On a manqué ma shot ici. Avec du machine qui part en retard. Encore 30 secondes. In-game time. Bon, j'étais en train de les tomber. Ah, que, arrête de vouloir te débloquer. Quoi? Tu feras cela, là. C'est un moment intense du speedrun. Ouais, Panic Restaurant. J'ai regardé une couple de speedrun. J'ai vu des gars de Best of Ness faire des speedruns de Panic Restaurant. Ça a l'air pas pire, c'est pas un jeu qui est basé sur la vitesse, fait que c'est vraiment la qualité de l'exécution qui compte. Pas mal moins que les réflexes, mais étant donné. Fait que non, c'est quand même. Ça fait différent de. Quand je regarde Panning Restaurant, ça fait pas mal différent de toutes les speedruns que je fais. Que généralement, les jeux. Que quand. que généralement, c'est pas mal de la vitesse. Juste penser à Kirby. Kirby, ça peut, je peux me déplacer extrêmement rapidement dans ce jeu-là. Ouais, je trouve que ça ressemble pas mal à Chip and Dale dans les speedruns que je fais. C'est comme Chip and Dale, t'as pas beaucoup de courses, mais tu sais, tu sautes au bon moment.
Pour atterrir au bon moment, pour être capable d'en jumper, pour avoir un momentum vers l'avant. Pas arriver, c'est comme quand ton jump se fait, mais t'es rendu nez dans la caisse. Fait que la seule façon de sauter par-dessus la caisse, c'est en ligne droite par en haut. Fait que tu perds légèrement du temps. Moi, c'est d'habitude, c'est même je perdais mes temps dans mes runs. En plus de tomber dans les trous. Parce que mes run killers, c'était des trous dans Chip and Dale. Ah, j'avoue que Goof Troop aussi, c'est assez qualité de l'exécution. Hein. Je pense à ça. T'as pas beaucoup de temps de course. C'est pas un platformer, c'est en top-down view, genre, mais. C'est en vue du ciel. J'ai un chat dans la gorge. Ah! Merde! Merde, 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 merde! J'ai pas perdu trop de temps ici, toi, au moins. Ah, j'étais en train de jaser, man. Ah! Vincent! T'en es en période! Ah, merde, c'est eux autres qui ont gagné. Je vais juste faire mon setup et je m'en finis mon idée là. Non, c'est ça dans Goof Troop. C'est un autre speedrun qui était. Qualité du déplacement, même si c'est pas un platformer comme Panic Restaurant. Ah, je suis sûr que t'as du fun. Y a pas, le monde en général qui run Panic Restaurant ont du fun. Fait que. Je suis pas inquiète. Je suis vraiment pas inquiète. Mais le conseil que je peux te donner, c'est au niveau speedrun. C'est fais pas ce jeu-là. Non, 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 fais pas ce jeu-là. C'est un jeu troll, mais la seule raison que je l'ai fait, c'est parce qu'il y a une nouvelle stratégie qui a été découverte qui permet de gagner du temps. C'est juste pour ça que j'y joue. Juste à attendre qu'il reste 30 secondes. Non, d'après moi, ce sera pas un world record. Je viens déjà d'atteindre la marque des 29 secondes. De 29 minutes. Ah, c'est pas. Hey. Ok, le time, c'est quand j'ai le trophée. Maintenant 28, deuxième temps. Alors, qu'est-ce que je fais? Je l'ai raté d'à peu près 2 secondes.
Le record du monde, c'est 29, 27 et 1 dixième. Là, je m'en l'ai recalculé avec mon... Ah, fuck, je l'ai pas enregistré. Il va falloir que je le download. Non, c'est ça, fait que je l'ai raté de... Là, c'est... Après, je l'ai recalculé. C'est bon. Puis c'est pour ça aussi que quand que je joue, j'ai demandé les millièmes de seconde et tout, quand on soumet les runs, parce que... C'est ça, c'est tous les temps sont serrés. C'est comme on est trois à avoir fait des runs. Le record du monde, c'est 29-27-100. Je viens de faire 29-28-92. Puis l'autre, il a fait 29-31-120. Ben sérieusement, maman, c'est quoi la différence entre moi et... Puis ils ont même pas les vraies couleurs.